retrouve aujourd'hui donc en Ariège, plus exactement dans le Couserans, au départ de l'étang de Bethmale. Voilà pour un petit périple de 2 jours et 2 nuits. Voilà, nous sommes solo, moi et Opaline. Petit trek entre filles, tranquille. Voilà, donc comme vous pouvez le constater autour de moi, point de neige à l'horizon. C'était un circuit que je devais faire initialement en raquette. Donc les raquettes sont restées dans le coffre de la voiture, comme vous pouvez vous en douter. Il y a vraiment pas du tout de neige. Donc voilà. Et on a des températures extrêmement douces. On est arrivé, on avait 18 degrés à la voiture en température extérieure. Donc des températures vraiment très clémentes pour ce début de mois de février. Enfin, c'est vrai que c'est assez surprenant. J'ai l'impression qu'on a fait un saut spatio-temporel au printemps. Voilà, en tout cas, on va profiter de cette température clémente du coup. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de pluie ces derniers jours et ces dernières semaines. Donc en fait, le soleil fait vraiment du bien au moral. Donc on va juste profiter. Donc je vais vous faire des petites images une nouvelle fois pour vous faire partager ces moments avec nous. Lac de Bethmale juste ici, actuellement nous sommes là et nous allons monter donc jusqu'à la cabane de Campule. Bon, nous avons rejoint de nouveau la piste forestière que nous avions quittée le temps d'une bonne et longue petite côte bien sèche qui m'a bien piqué les puceaux. Voilà, j'ai pas mal de poids dans le sac à dos donc je l'ai bien senti passer. Bon, donc nous sommes en direction de la cabane de Campule, qui est un refuge non gardé, voilà, d'une capacité de 5 personnes maximum, donc c'est une petite cabane. Donc voilà, idée numéro 1, c'est de pouvoir passer la nuit dans la cabane. Voilà, et du coup on ne sait jamais si... En arrivant, bien sûr, s'il y aura du monde ou pas. Donc si c'est le cas,
On installe la tente tranquillement. On a tout le matos pour bivouaquer. Donc comme ça, on fera option 1 ou option 2 selon la situation. Bon, ça y est, nous sommes arrivés à la petite cabane de Campule. Point de monde à l'horizon. Donc, on va visiter cette petite cabane et puis on va s'installer. Bon, je me trouve devant la cabane là, donc je vais vous faire visiter ce petit cabanon. C'est tout petit, mais ça je le savais déjà. Le seul petit problème peut-être, c'est que c'est une échelle pour monter à l'étage. Du coup, il va falloir que je m'organise avec Opaline. Alors peut-être je vais utiliser mon harnais de portage que j'ai avec moi. Je pense qu'on va faire ça. Peut-être passer un petit coup, faire un petit peu de ménage. C'est très rustique, mais bon, quand on vient ici, on vient pas chercher le confort 5 étoiles, donc il n'y a pas de souci pour moi. Je vous montre tout ça en image. Donc petite visite guidée de la mini cabane. Donc le rez-de-chaussée avec un petit banc en bois, une petite table, une chaise, une petite cheminée avec un petit peu de bazar dedans. Voilà pour le bas. Mais bon, ça va permettre de faire un petit feu et puis de manger tranquille. Donc voilà, le petit problème pour Opaline, c'est l'échelle. Hop. Donc je vous présente l'étage. Donc l'étage avec des petits matelas. Donc on va peut-être faire un petit coup de ménage rapidement. Comme on peut. Et puis on va s'installer tranquille. Donc voilà notre petit coin couchage une fois installé. Du coup j'ai mis nos petits matelas mousse. Voilà, juste par-dessus les matelas pour un peu plus d'hygiène. Puis nos duvets, du coup ça fait bizarre, on a l'impression que je dors avec un enfant à côté. Non mais c'est bien la place d'Opaline là. Voilà, on devrait pas être trop mal pour la nuit. Bon alors Opaline, ici derrière, a mangé l'intégralité de ses friandises que je lui ai amenées. Voilà, que je lui donne de temps en temps quand on fait une petite pause pour la motiver. Elle a mangé les friandises que j'avais prévues pour les deux jours. En fait, j'étais partie du coup installer nos couchages. Et puis juste avant, je lui avais donné une friandise. Voilà, pas toute séchée. Et en fait, je l'ai pas bien rangée dans mon sac et je suis revenue. Et il restait juste le sachet. Qui c'est qui a fait ça? Qu'est-ce que t'as fait? Elles sont où les friandises? Hein? Donc voilà, donc il ne reste plus que, voilà, je sais pas si vous voyez, il y a deux dentastiques que j'avais gardés, j'avais mis avec les croquettes, donc il ne reste que plus que ça pour les deux jours. Donc bah tant pis pour elle, elle aura moins de friandises, elle a tout mangé dans le coup. Elle est vraiment goulue, c'est pas possible cette louloute. Juste une petite précision, donc j'ai trouvé quelques petits déchets dans la cabane que j'ai déjà ramassés. Donc s'il vous plaît, les amis, quand vous allez quelque part, emmenez bien tous vos déchets avec vous. Voilà, ça évite que les copains qui passent derrière, ils trouvent vos déchets. C'est pas très agréable, donc j'en ai déjà ramassé quelques-uns. Là, je vois qu'il y a encore quelques petits papiers par terre, donc je vais également les ramasser. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas très cool. C'est pas très cool, donc pensez bien à tout emmener quand vous passez quelque part, à ne laisser aucune trace de votre passage, que ce soit en bivouac ou lorsque vous dormez dans une cabane. Voilà, je pense que c'est des règles de base que tout le monde devrait appliquer. On devrait même pas avoir à le dire.
Bon, nous sommes sur le chemin pour aller faire le plein d'eau. Voilà, petite soirée tranquille. C'est vrai que lorsqu'on n'a pas le campement installé, surtout en hiver, hein, quand il faut bien préparer le terrain avec la neige, du coup, c'est vrai que c'est plutôt tranquille. On a pas mal de temps, contrairement à quand il faut installer la tente, installer le campement, etc. Donc là, c'est vrai que j'ai même pas eu besoin de gonfler mon matelas. Donc on gagne pas mal de temps. Donc du coup, c'est cool. Donc voilà, on arrive au point d'eau. Je vais vous filmer tout ça. C'est trop, trop mignon. Assez contente. Voilà, je vais pas faire un brasier de folie, je vais juste l'entretenir pour pouvoir bouquiner tranquille au coin du feu, peut-être manger dehors. Autre chose, j'ai oublié la gamelle de la chienne dont je me sers habituellement pour lui donner à boire et à manger. Donc du coup, c'est système D, elle est obligée de boire dans ma tasse. Et il faudrait également que je lui donne à manger dans ma tasse. Donc il faudra que je la lave avant de m'en servir. Donc là, on est obligé de s'adapter aux imprévus. C'est vrai que j'ai pas pensé à l'emmener. J'ai pris tout, sauf la gamelle de la chienne. Autrement, vous voyez, j'ai mis la doudoune. Je me suis posé la question tout à l'heure de savoir si je l'emmenais avec moi ou pas, étant donné les températures plutôt clémentes. Et je dois vous avouer que je ne regrette pas de l'avoir prise parce que là on sent l'humidité et le froid un petit peu qui tombe, et du coup c'est vrai que je suis bien au chaud du coup avec ma doudoune. Là je suis nickel, et voilà, je vous montre un petit peu l'ambiance autour de moi. Donc la brume est bien tombée. Elle est tombée d'un coup juste après que je sois revenue d'aller chercher de l'eau. Donc là, on voit pas grand chose. Donc ça fait une ambiance un petit peu particulière, mais voilà, tout va bien. J'ai pris mes marques, donc cette cabane est chez moi. C'est chez moi pour la nuit jusqu'à demain matin. Donc je pense qu'on va être vraiment, vraiment pas mal. Et c'est ma première nuit du coup dans une cabane. C'est ma première nuit en cabane et en refuge, enfin tout court, puisque j'ai toujours bivouaqué avec la tente. Donc du coup, c'est une première, cette petite cabane de Campule. donc du coup, c'est chouette, première expérience par rapport à ça que je vous partage. Ce soir, c'est petite nouille chinoise pour le repas. C'est assez sympa pour le soir, du coup c'est pas trop lourd. On ira se coucher pas trop tard pour pouvoir se lever assez tôt demain, pour pouvoir bien profiter de la journée dès le lever du jour. Voilà,
Opaline n'est pas tout à fait contente qu'on soit en cabane. Elle n'arrête pas de gémir, de s'approcher de la porte. Alors tout à l'heure, je l'ai fait sortir, mais elle n'avait pas besoin de faire ses besoins. Enfin, je sais pas, ça la perturbe, je pense, qu'on soit là. D'habitude, on sort la tente, elle est habituée à dormir dans la tente sans souci. Donc là, je sais pas. Donc voilà, mais je pense qu'une fois qu'on sera couché en haut, ça devrait bien se passer. Voilà, nous sommes prêtes à aller nous coucher. Opaline est bien installée. Elle ne gémit pas, donc c'est bon signe. Donc, voyez, je l'ai montée avec le harnais de portage là qui est là déplié. Sinon, ça aurait été compliqué de monter avec ce petit chien de 25 kilos dans les bras. Mais écoutez, je vous dis à demain pour de nouvelles images. Première nuit passée dans la cabane, honnêtement, on a passé une super bonne nuit. Alors, première partie de la nuit, Opaline n'était pas très bien. Du coup, on est descendu, donc petit portage pour la descendre. Elle avait extrêmement soif, elle a passé de longues minutes à boire, donc elle avait bu hier soir, mais peut-être pas assez. Donc voilà, j'en ai profité pour l'emmener dehors, faire ses besoins, et puis on est remonté se coucher. J'ai super bien dormi de minuit là jusqu'à ce matin. Opaline est venue se blottir contre moi et me coller. Bon après elle a été dormir un petit peu plus loin le reste de la nuit, mais voilà, c'était trop marrant. Voilà, ce matin, réveil 6h40 à peu près. Du coup, on s'est même réveillé avant que le soleil ne se lève. Voilà, autrement, vraiment calme absolu cette nuit. On entend juste le bruit de la cascade qu'on ira voir ce matin d'ailleurs. Voilà. Donc mon sac est en partie plié déjà. J'ai déjà tout rangé l'étage. Et puis je vais déjeuner tranquillement. Opaline qui est en train de se rouler dans la neige, là on la voit pas, mais a déjà mangé. Voilà, donc ce matin on va prendre le temps de bien bien profiter. Et donc on a eu une petite surprise ce matin de découvrir en fait l'habitante permanente de cette maisonnette en fait. Et du coup c'était assez rigolo parce que j'étais en train de poser le trépied pour filmer. Et puis on a entendu des petits couinements. Et du coup on a réussi à vous capturer des images, donc c'était trop mignon, voilà. C'est des petits moments simples mais qui sont vraiment chouettes. Donc je vous montre tout ça.
Bon, nous quittons la cabane et reprenons notre chemin. Le ciel est bien dégagé. J'ai regardé au thermomètre, là, on avait 8 degrés. Donc température relativement douce. Voilà, on a bien pris notre temps ce matin. Donc là, il est à peu près 10h30. Donc voilà, on se remet en marche tranquillement. Du coup, je suis pas totalement sûre de l'itinéraire que je vais choisir parce qu'il y a plusieurs possibilités. Donc on va un petit peu improviser ce matin, je pense. Je vais vous faire écouter un petit concert d'oiseaux, vous allez voir, c'est super joli. Nous voici arrivés à la cabane d'Eliott, je crois. Oui, c'est ça. À la cabane d'Eliott, voilà, on s'est pris 320 mètres de dénivelé positif, bien raide, avec une bonne partie, bonne première partie, c'était un peu la bouillasse. Puis après, on a trouvé de plus en plus de neige. Globalement, ça va. Il y a pas mal de neige, mais elle est bien glacée, bien compactée. Donc, en mettant bien les pieds dans les traces, ça passe. Il y a quelques passages où la neige est un peu fondue. Donc là, ça fait schlack. On s'enfonce d'un coup jusqu'au genou. Mais bon, ça passe, ça passe. Donc, voilà. Donc là, on va faire la pause déjeuner bien méritée. Du coup, bah, Opaline vient de terminer de manger et puis ensuite on va tranquillement redescendre. Donc là, normalement, il n'y a que de la descente. On va rejoindre du coup l'étang de Bethmale pour bivouaquer ce soir. Voilà, pour pouvoir profiter de ce bel endroit. Donc en attendant que l'eau chauffe pour le repas du midi, du coup, je vais vous montrer ce qu'il est prévu au menu du jour. Donc du coup en plat, c'est effiloché de porc avec du riz, voilà, et puis j'ai même un dessert, c'est le grand luxe, donc c'est du riz au lait à la fraise. Du coup c'est des plats que je ne connais pas, donc je me suis commandé en fait un petit pack de plats avec des snacks, etc. pour 3 jours, donc là j'ai pas tout amené ici, mais voilà, je vais le tester, je le testerai les prochaines fois. Et du coup, bah, ça permet de découvrir voilà, des plats qu'on prendrait pas habituellement en faisant la commande. On a tendance un peu à prendre ce qu'on préfère tout le temps. Et puis à découvrir aussi d'autres marques. Donc voilà. Ce matin, j'ai aussi testé les muesli au chocolat de MX3. Donc bah, c'est pas mal. J'ai trouvé un petit peu trop sucré. Mais c'était quand même assez bon. Voilà. Bah, allez, on va manger. L'eau est bientôt en train de bouillir. Un petit massage. Ah ouais, ça fait du bien quand on a bien marché. Les deux donettes.
On poursuit notre descente. On a quitté la neige et retrouvé un bon petit chemin boueux. Voilà. Et donc, petit retour sur mon repas de ce midi. Et clairement, le plat était vraiment... Je regarde par terre parce que j'ai pas envie de me casser la figure. Ouais, le plat était vraiment super bon, là. Le riz, là, effiloché de porc. Franchement, je me suis régalée. C'est de la marque Réal, alors du coup, bah, j'en avais jamais acheté. Donc, je testerai certainement d'autres produits de chez eux. Donc, super bon. Par contre, clairement, le riz au lait à la fraise, moi, j'ai pas... Après, c'est bien entendu, c'est mes goûts, hein, donc... Mais au niveau de l'aspect et du goût, voilà, j'ai vraiment pas trouvé ça terrible. Voilà. Donc là, on va poursuivre notre chemin. Et normalement, on doit regagner une piste de nouveau. Voilà, pour arriver jusqu'à l'étang de Bête Mâle. Du coup, qui est notre point d'arrivée final. On va y passer la nuit tranquillement. Et puis... demain, c'est retour chez nous. Voilà, après le petit déjeuner, on pliera toutes les affaires et puis on prend la route. Voilà, je voulais juste vous montrer par où on était monté hier. Vous voyez, la petite côte Redouillard dont je vous ai parlé, là, hop, c'était là, le long du pré. Et clac, après, on rattrapait la piste, direction la cabane. Bon, on a retrouvé la piste, hein, comme vous avez pu le voir. Là, on va poursuivre un petit peu, puis on va se trouver un petit spot pour faire la pause café. Parce que je n'ai pas bu mon café après le repas, et là, j'en ai très très envie. J'ai un petit coup de barre. Donc, on va s'arrêter, préparer un bon petit café. J'ai les pieds trempés, parce que j'ai eu la bonne idée de me dire que je pouvais me passer des guêtres, donc ils sont restés dans le coffre de la voiture avec les raquettes. Et bah, manque de peau dans la partie neigeuse, j'ai un petit peu de neige qui est rentrée dans les chaussures, parce qu'en plus j'ai des petites guêtres qui sont intégrées au pantalon là, mais je les avais mal mises, donc bref, j'ai les pieds un petit peu mouillés. Bon, ça va, j'ai une paire de chaussettes de rechange pour ce soir. Donc ça devrait aller, puis vu qu'il fait pas froid, on se supporte. Voilà, donc c'est le moment passe-café. Opaline en train de se taper un petit somme à côté du sac. De Bête Mâle que vous pouvez apercevoir en arrière-plan. Du coup, c'était assez sympa puisque ce matin, donc j'ai trouvé un monsieur d'une soixantaine d'années sur le GR10 et du coup, en fait, on a fait une portion de chemin ensemble et je l'ai retrouvé ce soir en rentrant. Donc, en fait, on a terminé le chemin ensemble. Du coup, on a papoté. Voilà, c'était sympa. Petite rencontre toujours qui font bien plaisir. Donc voilà, on a trouvé le petit spot de bivouac, donc on attend peut-être trois quarts d'heure, là 45 minutes, que
que la nuit commence légèrement à tomber et puis on s'installera tranquillement pour notre deuxième et dernière nuit. Ça y est, la tente est installée, on va vraiment être bien ici pour notre deuxième nuit. Donc cette fois-ci en tente, donc c'est Opaline qui va être contente. Voilà, donc autrement, on a fait la connaissance d'un petit couple là qui terminait sa randonnée. Donc ils avaient un petit chien, donc on a commencé à engager la conversation à cause des chiens qui étaient en train de jouer ensemble. Et du coup, on a discuté et discuté et discuté un bon moment, ils étaient vraiment très 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 sympas. Et du coup, bah, voilà, c'est juste... du bonheur, voilà, de pouvoir faire des rencontres comme ça, des rencontres éphémères, mais franchement qui sont vraiment très agréables. Donc voilà, bah, programme de la soirée, hein, comme d'habitude, on va installer l'intérieur de la tente, je l'ai pas fait encore, les matelas, etc. Et puis après, on va manger tranquillement et puis on se couchera pas trop tard. Bon, ça y est, l'intérieur de la tente est installé, donc je vous montre ça rapidement. Donc voilà, le petit espace à opaline, et puis le mien juste à côté. Oui, donc du coup, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente de notre trek hivernal en Corée, si vous ne l'avez pas vue, ben, je vous invite à aller la voir. J'avais une petite crevaison sur mon matelas de Thermarest. Du coup, on n'avait pas trouvé la fuite au moment du trek. Et puis en fait, en rentrant assez facilement, d'ailleurs, je l'ai trouvé. Donc c'était une petite coupure bien nette là sur le dessus, en plus d'un boudin. Donc du coup, bah, avec le matos pour réparer les matelas, on a pu bah, facilement le réparer. Donc là, du coup, j'ai le matelas mousse plus le Thermarest. Du coup, on apprend de ses erreurs. Donc je pense qu'en hiver, c'est quand même plus prudent d'avoir au moins un petit matelas de secours au cas où. En attendant que mon roupas soit prêt, je vous partage une petite info qui certainement peut vous servir. A-t-on le droit de bivouaquer et de partir en trek pendant les contraintes du couvre-feu? Donc moi j'ai trouvé la réponse sur la page Facebook du PGHM d'Ariège, donc qui est le peloton de gendarmerie de haute montagne. Donc nombreuses sont les personnes à leur avoir posé la question et donc la réponse est claire, non, il n'y a pas de contre-indication au bivouac. La seule contrainte, c'est l'interdiction bien entendu des déplacements pendant les horaires du couvre-feu. Donc là, bien entendu, en hiver, on n'a pas trop de mal à respecter les horaires, hein, étant donné que on vit un petit peu au moment où on a la lumière du jour et vu que le soir, la nuit tombe rapidement, donc c'est pas trop compliqué de respecter les horaires du couvre-feu. Voilà, donc je vous partage cette information-là qui certainement bah, peut vous également vous servir. Voilà, si vous avez besoin, vous pouvez vous rendre sur leur page Facebook, vous trouverez sans difficulté ce post-là. Il est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit tout le monde.
La légende raconte qu'une méchante sorcière donc vivait dans le lac de Bethmal et tous les jours, elle faisait des misères à ses habitants. Un jour, les Bethmalais excédés décidèrent de poursuivre la sorcière munie de fourches jusqu'au col de la Cor. Là, la sorcière acculée décida de sauter dans le lac de Bethmal en jurant de ne jamais disparaître. Et l'on raconte que c'est sa robe verte qui donne cette couleur si particulière à l'eau du lac. Juste quelques secondes, là c'est vraiment incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Ce que je viens de vous filmer, en fait, c'est des amas d'œufs de grenouilles énormes. Mais il y en a, mais il y a des quantités. Et c'est incroyable. Et bien sûr, il y a plein de grenouilles qui s'agitent. Je croyais que c'était des petits poissons de loin. Et non, c'est bien des grenouilles. Et alors, je me demandais ce que c'était ces trucs, ces amas un peu globuleux qui flottent à la surface. Et ce sont des œufs de grenouilles. C'est la première fois que je vois ça. Il y en a un paquet. Voilà, nous sommes sur le départ. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et à vous, pensez à vous abonner et activer toutes les notifications si vous voulez voir nos prochaines aventures. À la prochaine! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est où merde. Voilà, donc le feu est allumé, mon petit feu est allumé, je vais, pourquoi je répète, je ne sais pas, on va se la refaire.